à tous, c'est Échec et Squat. Et aujourd'hui, on va vous parler des bières de la brasserie Lefèvre. Parce que j'ai eu l'occasion d'aller visiter cette brasserie-là avec mon petit papa, que je remercie pour la visite. Donc, on va déguster en même temps. Ouais, donc on va en déguster deux pendant la vidéo. Donc la Barbare Rouge et la Saison 1900. La Saison 1900 qui est la première bière qui a été créée à la brasserie Lefèvre. Donc cette brasserie compte 6 générations qui ont tenu la brasserie. Donc elle a été créée par Jules Lefèvre et aujourd'hui elle est tenue par Paul Lefèvre et sa sœur Céline. Et donc elle a été fondée en 1876, donc depuis 6 générations, par Jules à Rebec. Et maintenant elle est localisée à Quenast. Et on peut donc y compter un nombre quand même impressionnant de bières. Important de bières, oui. Donc déjà les 6 qu'on a ici, on a les 2 blanches, donc ça on va regrouper en une bière. Il y a 2 barbares, il y en a une troisième, qui sont des bières au miel, donc qui sont brassées avec du miel. Ici on a la Manneken Pis qui est ici. Et là la Saison 1900 comme on a pu vous le dire. Mais il y en a encore d'autres, il y a la Newton, la Mudder Over, les 4 Floreffs aussi, la Opus, enfin, il y en a plusieurs. Il y en a 2 Opus. Alors pour la Opus, la petite histoire, donc elle a été créée en 2008, la Opus, et c'est une bière qui se boit donc dans son grand verre, donc le verre est assez grand, et à côté il y a un petit verre à shot, et c'est parce que la levure ne se boit pas en même temps, ou du moins dans le même verre que là où il y a le dessus de la bière. Il y a aussi une bière fruitée, c'est la Belgian Framboise, cric ou pêche, donc il y a plusieurs goûts. Donc cric c'est cerise, puis framboise et pêche à la pêche. Et donc ça, il y en a 3 aussi, donc sur des bières plus fruitées. Alors dans celle qu'on a goûtée, moi j'ai goûté la Barbare, et c'est aussi la Barbare Rouge, du coup c'est une bière fruitée. Elle a 8 degrés d'alcool. Et toi là? Et moi c'est une bière qui est à 5,4 si je ne me trompe pas, oui, 5,4% d'alcool. Vendue dans une bouteille de 33 centilitres, ce qui est égal à 330 ml. Je la goûte aussi. Ouais, et moi la Barbare Rouge. Donc c'est quand même une brasserie qui fait des bières de qualité. Celle-là a un fort goût de houblon. Ouais. Il y a il y a un éventail assez grand. Donc il y a autant des bières rouges que des bières blondes ou brunes. Enfin, ils font un peu de tout, quoi. Ils sont pas. Il y a vraiment un peu de tout et ce sont vraiment des bières artisanales. Donc voilà. C'est bon, non? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de la partager. Et si vous avez aimé, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous.